et footballistique, c'est dans le Mi-Ton avec Coloco. Arbitre, oui. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Super, alors oui, on vous écoute. Arbitre sportif, bonsoir. Nous allons parler de sport. Le milieu du sport bouge beaucoup ces temps-ci. Concernant le football, les transferts se font en longueur de journée. Le Madridais Karim Benzema dépose ses valises en Arabie Saoudite. Le Parisien Lionel Messi change de pays et choisit la Côte d'Ivoire et l'Africa Sport. L'ex-international ivoirien Neto Passagnon devient l'entraîneur adjoint du Real de Madrid. Je développe. Karim Benzema quitte le Real de Madrid. L'attaquant français de 35 ans est en fin de contrat avec le club espagnol. Il devait signer en Arabie Saoudite pour un contrat record. Le Ballon d'Or quitte le Real de Madrid après 14 saisons passées dans le club espagnol. Arrivé en 2009 à Madrid en provenance de Lyon, il part en Arabie Saoudite pour 2 ans, 100 millions d'euros par an, soit 200, je vais dire bien, écoutez, soit 130 milliards de francs pour les 2 ans. Et décide d'aider l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Aïe. Le taekwondo ivoirien, Cissé Cheikh Sala, est le nouveau champion du monde de sa catégorie de 87 kilos. Depuis ce dimanche 4 juin 2023, il a battu ce jour à Bakou, en Azerbaïdjan, ne me demandez pas. Azerbaïdjan. En demi-finale, je crois. Basique avant de s'imposer en finale face au Mexicain Carlos Soussores. À cette compétition, la Côte d'Ivoire a aligné. La Côte d'Ivoire a aligné 9 combattants, parmi lesquels Kone Zakaria. A décroché quant à elle la médaille de bronze. À Bakoum, Cissé Cheikh Sala Junior, 67 kilos, a pu compter sur le soutien du grand maître Patrick Remak Abdoulaye, qui a été le premier Ivoirien à remporter ce titre individuel mondial à Séoul, en Corée du Sud, au championnat du monde militaire en 1991. Marie-Josée Talou, née le 18 novembre 1988, est une athlète ivoirienne, spécialiste à des épreuves de sprint, vice-championne du monde sur 100 mètres, 200 mètres à Los Angeles, à Londres, pardon, en 2017. Talou établit un nouveau record en Pologne. Elle a enregistré un temps rapide de 10,82 secondes au 69e Oriane Janus. Et Krishno, bon, vraiment, c'est compliqué. Alors, était que dimanche 4 juin. Dimanche 4 juin. On écoute à Crocosine. À Crocosine en Pologne. La speecheuse ivoirienne établit ainsi un nouveau record dans la compétition. Talou est dans une forme optimale. Oh, faut faire ta journal là. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Donnez classement là. Après, donc, on ne donne pas classement. On dit qu'il est là. Talou est dans une forme optimale après avoir remporté sa série de la semaine dernière lors du Grand Prix de Los Angeles en 10,81 secondes. Waouh!
Elle a également. Mon vieux, t'as vu. Bon, dans les classements, on va voir qui a fait premier. On va dans les classements, mais on attend d'abord. Qui a fait premier, deuxième, troisième? Ouais, le classement. Alors, en première position, Marie-Josée Talou, Côte d'Ivoire, 10,82 secondes. Deuxième, Ewa Sroboda. Troisième, Chris Zingo. Oui, Belgique. Quatrième, Arielius Montin Zengo. Mon vieux, ça c'est du bon. Cinquième, Madagalina Stoporo. Sixième. Ah, toi-même, tu fais ta journal. Donnez des noms. André Fétiche. Sixième. Waouh. Sanaré. Ça s'appelle Awa. Septième. Martina Kodiala. Huitième. Monica Ramos Sasco. Il vient de quel pays, Monica? Monica, là, il vient de quel pays? C'est, il vient de la Pologne. Non. Aka Kiri Bazingo Pologne. C'est fini. C'est un Polonais.